Hello. Ông chưa nói chuyện đây, tôi là tổng bộ cả. Còn to cái giám đốc ca này tại vị trí sạm nạc ca, tôi mập. Đầu tiên đi. Một nâng bậc cul vị trí ca từ vị từ vị đồng nai ngoại đà mới đăng đoạn micro bấy. Ông chuyện đây, xong thuê ca cắt thùng cul. Ông pi sẽ cái đây thay lãnh ca. สันนิษฐานระหว่างเมตตาวีกาปีกระไดปีปรกมัญชาเมียนกาเจนหัวพอดปีองไฮดองฉบับหนึ่งเพียบเปียปอนได้เชียบยาวในขนมกาเพื่อดิสันนิษฐานมันจบโดยซาทาองจำนวนยมเรียหนึ่งสิกระไดสมรัยระบบองจำเรียใบใบใบใบบานเจนในขนมองลองปีในดำนาการสัมนาการ วีปุ่มเมนเจียกรรมบทเท่าในสิกระไดสันนิษฐานบรรจบระบบพิกีเลยให้ดูชนะสมเมตวีดำนางดาวมาดังรับนี้ปีกรมทิศก็โดยเจียพิกีเอฟเซนทิศสมเมียนกาจับรำให้องจำเริ่มมันจ้องตีในขนมกากัดพัดดัดในเอาไว้ได้เอาโลกตุสไรกับปุ่งแต่ฟื้นในทลายกาเวียนน้อมไออาคารในอารมณ์ได้กับปุ่งแต่ จับจ้องนองกาทลายนุ่งยังสมรมเล็กเกี่ยมุ่นประชันบ่ตัดตะเพียบโดยประมันนิ่งคือยืนหนึ่งราศาสตร์นองกากัดเจนเหนือไว้ได้อัดไปยาวหรือก็เวียกประชาในกุลกาในในสันนิษฐานบรรจบเปียปอนต์หนึ่งเรื่องใดเชื่อกันเป็นต่อองจำเริ่มสมเชิญเมตวีดำนางได้มาดังรับแบบนี้ กรมใบลายเพื่อได้สนทานมันจบกับพิพิษาดังดาวให้ยมเรียบท่าเมตวีดำนางดาวมาดังรับในกรมใบก็เมียนเปเปรียโดยขณีหนึ่งเมตวีดำนางดาวมาดังในกรมมวยหนึ่งกรมปีได้คือเมียนเปเปรียมวยเมางหนึ่งดับรามเดตีนองกาเพื่อได้สนทานเนียเป็นนี่สมัญเชิญ ชีดมบงเนียงขยมส้มกรอบดาวโลกประเทศหนึ่งอังจุ่มนมจุ่มเรียกแตงโมเนียงขยมเมทีวีหมดสวรรค์นรีคือชีเมทีวีเจี๊ยดดำนางเอาดามดังรับปะเวนีกรมใบมนต์หนึ่งกรมรบบอลเนียงขยมจับดามหนึ่งขนมการเฟอร์สิกได้สันนิษฐานบรรจบนี้เนียงขยมส้มการอนุญาตปีโลกประเทศดับใบอนุญาตเอาเมทีวีบอร์เตอร์บอลเนียงขยมตีมวยคือโลกเมทีวีฟิลิปกันน้องดับใบเอควาเฟอร์กาจับดามบรรทอมมาเตี้ยโลกใส่เมทีวีมาตินสักครั้งให้เนียงขยมนั่งตลอดมองดับใบบรรจบแต่ตรงจุ
Minh Thúy. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, mon nom est donc Philippe Cannon. Moch Savanari vous l'a dit, j'interviens au nom de l'équipe d'Avocats sans frontières France et je représenterai le groupe 3 des participants. Je remercie votre cour, Monsieur le Président, d'avoir accepté que nous plaidions à 3 avocats. Nous nous partagerons le temps qui nous est imparti à part égale. Mon intervention portera sur l'état d'esprit des victimes, leurs motivations, leurs attentes. Maître Jacquin vous parlera de la personnalité des victimes.
Elle vous donnera leur identité, leur profil, leur histoire. Mach Sovanari vous dira les modes de réparation auxquels nous avons pensé et peut-être les façons de les mettre en œuvre. Je salue respectueusement votre cours, Monsieur le Président, ainsi que le ministère public. Je salue confraternellement les contradicteurs. Et c'est avec évidemment une grande émotion que je penserai tout au long de mon discours aux parties civiles. Nous avons fait notre travail d'avocat à la sable. Ce fut une tâche immense de réunir les victimes et surtout de définir leurs attentes. Le statut de partie civile qui leur est conféré dans le cadre d'un procès pénal international est une innovation majeure. Et nous pouvons intervenir à cet instant parce que nous avons été aidés par les ONG, par les instances internationales, par les autorités cambodgiennes, les pouvoirs publics et les juges. L'instruction de ce procès a été longue et minutieuse. Votre juridiction a mesuré la portée des événements aujourd'hui dénoncés et poursuivis. Elle est à même de prendre sa décision. Alors, quel est notre rôle? Nous ne dirons rien sur le plan pénal. Nous nous y sommes engagés. C'est d'ailleurs le rôle des coprocureurs. Nous nous placerons sur le terrain civil, celui de la responsabilité encourue et du dommage subi. Nous avons, Monsieur le Président, une grande prétention, celle d'aider votre cour à élaborer un procès équitable. Les avocats sont des auxiliaires de justice. Ce ne sont pas des obstacles, encore moins des ennemis. La position et le discours des victimes aujourd'hui sont le résultat d'un long processus de maturation. Il ne faut pas se leurrer, les premières réactions instinctives des victimes que nous avons reçues consistaient à nous dire qu'il faudrait infliger à Douche les mêmes traitements que ceux que nous avons reçus. Il faut laisser s'exprimer cette première réaction. Il faut avoir le courage de l'entendre, mais il faut la dépasser. Alors viendra la justice et non la sauvagerie. Au crime contre l'humanité, nous voulons répondre par un discours d'humanité. Monsieur l'accusé, j'ai écouté ou lu attentivement presque toutes vos déclarations. Le temps m'est compté. Je citerai sans trahir et sans ajouter un seul mot
les plus significatives. Vous nous avez dit, je suis méticuleux. Je fais les choses bien, sinon je ne les fais pas. L'objectif était d'atteindre la cruauté. Nous avons formé les gens à devenir membres de la Ligue des jeunes pour faire tout ce qu'on leur ordonne. Nous leur avons appris à tuer. C'est moi qui étais responsable de l'éducation. J'ai enseigné les méthodes d'interrogatoire. Le parti avait confiance en moi. Mes propres responsabilités étaient les suivantes. Obtenir des aveux. Préparer les rapports sur la base des aveux. Annoter les aveux, dispenser l'éducation pour savoir interroger et frapper, obtenir des aveux, c'était mon devoir. Parlant de ceux qui n'entraient pas dans votre idéologie, vous avez dit, ce sont des vers. Dans notre chair, qu'il faut déloger. Les supérieurs avaient confiance en moi, pas dans les autres. J'ai commis toutes sortes de crimes graves. Personne n'en a commis plus que moi. J'arrêterai là mes citations avec une dernière phrase. Vous avez, M. Dutch, présenté vos excuses à votre peuple. Le 9 avril, vous avez souhaité, je vous cite, que justice soit rendue pour le peuple cambodgien qui a survécu à ce régime horrible. Alors je m'interroge. Votre repentance est-elle sincère? Vous avez pleuré lors d'une reconstitution. Pleurer, c'est un début de repentance. Exprimer des excuses, c'est un début de compréhension et de responsabilisation. Aller au bout du procès, là est le vrai courage. Et dois-je rappeler, monsieur, qu'au cours de la procédure, vous avez pourtant demandé votre mise en liberté. Regardez, entendre, voir ce que l'on a fait torturer, c'est sortir d'une instrumentalisation. C'est redonner aux victimes leur dignité. Alors regardez-les. Regardez ces hommes et ces femmes que vous avez voulu écraser et dont vous avez écrasé les parents, les conjoints, les enfants. On peut écraser des insectes, des animaux. On ne peut pas écraser des êtres humains. Parce qu'un jour, ils se relèvent. D'une manière ou d'une autre, eux, leurs successeurs, pour venir demander des comptes. Vous avez été imprégné fortement de culture bouddhiste. Vous êtes devenu chrétien. Dans ces deux spiritualités, M. Dutch, l'âme humaine est immortelle si le corps ne l'est pas. L'homme renaît en permanence et indéfiniment parce qu'il a une pensée, des émotions, une souffrance. Il est même capable de pardon.
Parce que son regard au-delà de la mort est là pour vous juger depuis la nuit des temps. Peut-être vos victimes vous accorderont-elles leur pardon à l'issue de ce procès, peut-être. Mais vous n'imaginez pas combien ces personnes sont en recherche. Elles sont évidemment avant tout en souffrance. Mais elles cherchent à comprendre pourquoi un homme, pas plus mauvais qu'un autre, peut mettre en place une telle barbarie. Comment une personnalité somme toute ordinaire peut être à la fois respectable et effroyable. Pourquoi l'irruption brutale dans leur vie d'un régime totalitaire a jeté des millions d'entre eux sur les chemins de l'exil et sur les voies de la mort? Monsieur François Bizot, que nous avons entendu comme grand témoin en avril dernier, nous a appris que ce serait sans doute une erreur de ne voir en vous qu'un monstre froid, que l'on pourrait juger isolément, définitivement, en réglant le problème une fois pour toutes. Nous savons que cela n'est pas simple. Vos défenseurs nous diront comment ils entendent graduer votre responsabilité. Ils le feront avec conscience, c'est la noblesse de leur tâche, et nous les entendons. Mais ces gens, partie civile, simple, modeste, démunis, peu instruits, ou au contraire, cultivés, installés dans la vie, mènent tous le même combat. C'est un combat universel. Être là, répéter inlassablement les termes de la loi pour rester debout, pour ne pas sombrer dans l'animalité, pour continuer d'être des hommes et des femmes, c'est-à-dire ceux qui ne détruisent pas volontairement, sciemment, délibérément leurs semblables au nom d'une idéologie. On les a déshumanisés. Les traiter aujourd'hui avec mépris serait une nouvelle déshumanisation. Comme tout le monde, je lis la presse et je lis dans une certaine presse que les partis civils ont fait preuve de désorganisation durant ce processus. C'est vrai. Maître Karim Khan vous a rappelé ce matin que c'est une nouveauté dans la procédure pénale internationale. Nous inaugurons un nouveau système. Il n'est pas facile de fédérer. Il est certes plus facile de critiquer. Quoi qu'il en soit, est-ce vraiment l'heure d'accabler ceux pour qui ce procès a été voulu? Est-ce vraiment le message qu'il convient de faire passer, de transmettre à ceux qui recrutent de fatigue ou de désespoir, interpellés par des questions qui souvent les dépassent, viennent ici chercher la justice? Je veux lire dans ce genre de propos une simple volonté d'améliorer le système. Une autre démarche serait affligeante.
Je vois se développer depuis quelque temps une thèse qui me surprend un peu. Il faudrait, nous dit-on désormais, que ces victimes, à qui l'on a permis d'être entendues, mais à un moment donné, bien délimitées dans le procès, retournent au silence. Elle deviendrait ainsi des sortes d'icônes, respectables, intouchables, mais sans voix. Faut-il les enterrer de nouveau? Faut-il les cacher? Que la défense le veuille ou non, cela ne sera plus jamais. Si l'on ne veut pas subir l'histoire, il faut essayer de la comprendre. Les parties elles veulent aller plus loin. Elles n'ont aucun désir de vengeance. Elles n'ont que de la détresse. Mais c'est avec elles que se reconstruira l'histoire. Rien ne sera plus comme avant, jamais. Ces gens sont devenus des veilleurs attentifs. Chaque fois que l'on voudra faire taire un homme ou une femme, c'est un nouveau doute qui ressurgira. Les victimes ont appris à identifier la souffrance. Elles ont appris en qualité de partie civile que la réparation pouvait exister. On a parlé, Monsieur le Président, à votre cours beaucoup de réparation. Notre groupe vous en parlera encore. J'adhère, par principe, à tout ce qui est suggéré, soumis à votre cours à ce titre. J'ai participé à la réflexion commune, mais je vous livre un sentiment personnel. Appréciez-le comme il se veut. La plus belle des réparations, c'est sans doute la présence ici des parties civiles. C'est la reconnaissance de leurs droits, c'est la solidarité et c'est l'ouverture à d'autres lendemains. Cette juridiction que nous avons tous fait vivre avec ferveur et humanité, parfois avec maladresse, préfigure très certainement ce que seront les futures juridictions pénales internationales et dessine un nouveau modèle de mixité. J'entends par là compétence nationale affirmée, prioritaire, mais composition internationale, création progressive d'une unité des victimes d'égale valeur à celle du Bureau de la Défense, avec une aide véritable, matérielle, psychologique, pour toutes les victimes d'exactions. J'ai donc un espoir véritable. Et la présence de Mach Sovanari à nos côtés en est le symbole. Elle est cambodgienne. Elle a 25 ans. Elle a le courage d'être présente à ce procès difficile. Elle représente l'élan de cette jeunesse que je rencontre depuis 3 ans en dispensant de la formation aux juristes et aux avocats cambodgiens
formation qui a reçu l'appui et un accueil chaleureux du barreau du royaume du Cambodge et de son bâtonnier. Ce pauvre pays, disait François Bizot, parlant du Cambodge. Ce magnifique pays, dirais-je, dans la mobilisation autour des valeurs de progrès et de liberté fortes, n'écrasons plus jamais personne. La réconciliation est le mot clé. Elle est le moyen nécessaire d'une reconstruction. Mais le mot ne suffit pas. La réconciliation devait passer par ce procès. Elle doit désormais prendre avec elle le sort des parties civiles. Un gigantesque chantier s'ouvre pour trouver le juste processus de réconciliation. Au début de votre audition, M. Dutch, vous nous avez récité un poème en français. Je vous redonne cette phrase, cette strophe. Gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta tâche là où ta voix a voulu t'appeler et meurs sans rien dire comme moi. Et vous avez brandi ce poème. Ce texte, M. Dutch, vous l'avez extrait d'un poème bien connu des Français d'Alfred de Vigny qui s'appelle « La mort du jeu ». Vous rendez-vous compte que vous en avez retenu ce qu'il a de plus dangereux, de plus mortifère, parce qu'il ne laisse aucune place à l'homme. Vous en avez extrait ce qui correspond à votre façon de voir la vie. C'est-à-dire que l'homme est un loup pour l'homme. Vous rendez-vous compte qu'à l'heure où l'on vous juge pour crime contre l'humanité, vous citez les poètes romantiques. C'est inquiétant. Parce que de deux choses l'une. Soit vous pensez qu'il faut mourir sans rien dire en accomplissant son destin. Et je me demande alors où est votre repentance. Soit depuis le début, vous nous endormez volontairement autour de cet extrait de poème. Et je me demande encore pardon, où est votre repentance. En tout cas, vous rendez-vous compte qu'il y a là un décalage historique des plus étonnants. L'on n'est pas, monsieur, dans un procès d'élégance. On n'est pas dans un salon littéraire. Je vous parle des 12 000 morts de Tsinghua. Certains disent 16 000. Où est le romantisme? Pour ce qui nous concerne, et si nous restons sur ces références philosophiques, nous considérons, monsieur, que vous êtes, que vous êtes devenu un loup. Et nous ne voulons pas la mort du loup.
Je citerai un autre texte. Cet autre texte, je le trouve plus intéressant, monsieur. Je le trouve beaucoup plus noble. Il est le préambule de la Constitution de votre pays. Avant de rédiger la Constitution, ces auteurs disent la chose suivante. Nous, peuple Khmer, héritier d'une civilisation grandiose, d'un grand pays prospère, d'une haute renommée étincelante comme le diamant, tombé dans une terrifiante déchéance au cours des deux dernières décennies, où nous avons traversé des désastres très regrettables. Désormais réveillés, redressés, fermement réconciliés pour renforcer la garantie des droits de l'homme et le respect des lois, nous écrivons et suit le texte. Eh bien, monsieur, c'est sur cette fine pointe de diamant que je garderai en tête, c'est cette image que je garderai en tête. Pas la pointe de la tortue, celle de la Renaissance. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie en tout cas, monsieur le président, madame, messieurs les juges, de nous avoir permis d'exister. Je passe la parole à maître Jacquin. Cela demandera quelques instants de mise en place, puisque maître Sauvain arrive à Jacquin. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame et Messieurs les juges. Permettez-moi de vous présenter toutes mes salutations. Par ailleurs, et c'est vrai, c'est avec une grande émotion qu'on prend aujourd'hui la parole devant vous dans l'intérêt des parties civiles victimes des agissements de M. Dutch, qui aujourd'hui prévu devant votre juridiction. La tâche est en effet difficile pour nous aujourd'hui d'évoquer la mémoire, la vie, les souffrances qui ont été celles vécues par les parties civiles à SVTR. Simone Veil, ministre de la République française qui a connu à 17 ans les camps nazis de concentration, a dit à son retour: nous revenions d'un monde où on voulait nous bannir de l'humanité. Nous voulions le dire, mais nous nous sommes heurtés à l'incrédulité, à l'indifférence des autres. Ce n'est que des années après que nous avons trouvé le courage de parler, car nous avons enfin été écoutés. Et je crois que l'incrédulité, l'indifférence, le courage de parler, c'est autant d'éléments qui ont été fondamentaux pour les parties civiles dans cette procédure. Il a fallu un certain temps au Cambodge, comme dans les autres pays qui ont connu des drames assimilables, puisque les bureaux étaient toujours présents, que c'était souvent le voisin, que c'était parfois celui que l'on croisait dans le village, pour que les victimes de l'horreur aient le courage de parler. Et il fallait qu'ils en aient le courage en sachant qu'ils allaient rencontrer à tout moment ceux qu'ils mettaient en cause dans des faits injustifiables, inqualifiables, et qu'ils les regardaient toujours avec leur conscience, leur bonne conscience, leur mauvaise conscience, eux seuls peuvent en être jugés. Aussi aujourd'hui, le premier rôle des parties civiles, notre première tâche, c'est de parler. Et d'ailleurs, quand on arrive à une certaine distance entre d'un côté les fils et les filles des martyrs et que d'un autre côté un certain nombre de gens d'une population veulent oublier ou faire oublier ce qu'ils ont été, je crois que la première chose et la première importance, c'est la parole. Et vous, M. Dutch, je crois que vous êtes dans cette deuxième catégorie. Ceux qui voudraient oublier ce qu'ils ont été.
François Bizot a écrit obéir à la terreur, mais avec tant d'obscurité et de silence que je me demandais s'il lui a jamais été donné d'estimer le pouvoir atroce dont il est devenu dépositaire. François Bizot parlait de vous. Il a été le premier à avoir des propos pour dire qu'il y avait aussi une certaine humanité qu'il ne fallait pas ignorer. Mais il a eu conscience du fait qu'à un moment donné, vous étiez devenu dépositaire d'une arme de mort. Il s'est posé la question de savoir si vous en avez pris conscience. Vous avez accompli mécaniquement, juste à l'extrême, les directives impersonnelles et absolues qui vous étaient communiquées par l'encart. Selon vous, le bouddhisme allait abrutir le paysan et l'encart allait le glorifier. Allait les reconstruire sur eux la prospérité du pays. Mais pour ce faire, il fallait débarrasser tout le pays de la vermine qui peut représenter la réflexion, le libérer des lâches ou le libérer des traîtres. Aujourd'hui, c'est au nom de ces traîtres, c'est au nom de ces lâches, c'est au nom de ceux qui ont été considérés comme cette vermine, c'est au nom de ces spectres qui, avant de mourir, sont passés devant vous, que nous souhaitons prendre la parole. C'est une parole dont ils ont été privés à jamais et qui a laissé leur fils et leur fille se heurter pendant longtemps à l'incrédibilité ou à l'indifférence. Et même aujourd'hui, l'incrédibilité ou l'indifférence peuvent rapidement régner. Et c'est peut-être une partie importante de ce procès de mettre fin de manière importante, de manière peu contestable, à une négation de ce qui a été la réalité d'un quotidien de la vie au Cambodge. Se constituer partie civile, ça a quelque chose de dérisoire, tout égard à la violence, des souffrances des victimes. Et tout bien usé quand on réfléchit, ces meurtres, ces tortures n'appartiennent pas au rythme des sacrifices, car il y a dans le sacrifice quelque chose de sacré. Ça n'a jamais été le cas des souffrances endurées par les victimes sous le régime des Khmer Rouges. Dans le dessin des auteurs de cet holocauste, il a été retenu l'idée de supprimer tous ceux qui, un jour, pourraient vouloir vérifier la mort de leurs parents. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a une recherche de vengeance? Non. La seule recherche des parties civiles, c'est le fait de parler tant qu'il en est encore temps. Et c'est dans des situations aussi difficiles que lorsqu'il y a des crises particulièrement sanguinaires, on rencontre des individus exceptionnels, on rencontre des individus qui restent pacifiques, qui restent des clairvoyants, qui essaient de se soustraire de ce mécanisme destructeur. Malheureusement, M. Dutch, vous n'en avez pas été. Comment peut-on situer cette tragédie du Cambodge parmi toutes celles du XXe siècle? L'horreur n'a pas besoin d'être diffusée pour être établie, mais quand elle est quantifiée, c'est déjà un début de compréhension, d'acceptation. Même si, au Cambodge, aucune catégorie de la population n'a été parcourue. Le pouvoir que vous avez détenu, M. Dutch, a conduit les Cambodgiens au désespoir. Et l'honneur de ce tribunal, c'est de tenter de lui rendre la mémoire et au moins de lui avoir donné la parole. Alors, est-ce qu'il faut chercher des excuses à tout ça? Est-ce qu'on peut dire que c'est les 540 000 morts des bombes versées par les bombardiers de l'US Army? Est-ce qu'on peut dire que c'est le protectorat français qui s'est exercé sur le pays à partir de 1863, qui a évité au Cambodge de connaître la guerre d'Indochine de 1946-54. Non, il n'y a pas d'excuses historiques. On ne peut pas trouver des excuses ni dans les violences des puissances occidentales, ni dans la philosophie déformée qui est arrivée de ce même occident. Au Kampuchea démocratique, M. Dutch, et vous le savez, il n'y avait pas de prison, pas de tribunaux, pas d'université,
et pas de lycée, pas de monnaie, plus de poste, et pas de livre, et pas de sport, et pas de distraction. Il y avait un règlement. Il y avait 12 heures de travaux physiques, 2 heures pour se nourrir, 3 heures pour le repos et l'éducation, 7 heures pour le sommeil. Il y avait l'encarte qui décidait, et il y avait cet avenir, résumant ces termes, de perdre n'est pas une perte, de conserver n'est d'aucune utilité. Est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui tout a été dit à ce procès? Moi, je ne crois pas. Et on ne peut pas pour une autre raison, c'est que, en fait, cette révolution Khmer, elle n'a pas de précédent dans l'histoire de l'humanité. Alors, le but aujourd'hui, l'un des buts de ce tribunal, tout au moins pour les parties civiles, l'une des recherches, c'est que même 30 ans après, il a été donné la parole à ceux qui ne l'avaient pas eu et qui ne pouvaient pas l'avoir. 30 ans après, donner la parole à ceux qui n'avaient plus de parole. Permettre à ces fils de torturer, ces filles de femmes éventrées, ce qu'on appelait ces enfants nés de l'horreur, de pouvoir enfin être écoutés. Et c'était pour eux, et c'est pour eux, quelque chose d'essentiel. Monsieur Douch, vous nous regardez aujourd'hui et vous nous dites « je suis un autre homme ». Vous dites que vous avez retrouvé une voix dans une religion qui autorise le pardon. Est-ce que le pardon a vraiment sa place ici? Je ne sais pas. Est-ce que les parties civiles peuvent entendre pardonner ce qu'elles ont subi, je ne sais pas, en tout état de cause, par contre, et c'est important, après 30 ans de silence, eh bien, elles peuvent parler et elles peuvent être écoutées. Alors, par qui elles vont être écoutées? Peut-être par vous, peut-être par la presse, elles vont être écoutées par le tribunal, elles vont peut-être être écoutées par l'Occident, elles vont être écoutées par les Cambodgiens aussi, ceux qui ont bonne conscience, et puis tous ceux qui ont aussi peut-être mauvaise conscience. C'est difficile de le savoir. Nous ne le saurons sans doute pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles auront pu parler et qu'elles auront été écoutées. Aujourd'hui, je représente et notre groupe représente 28 victimes qui sont elles-mêmes les représentantes symboliques des 12 000 ou des 16 000 victimes de S21. Et je voudrais, Monsieur le Président, prendre le temps rapidement et d'évoquer devant vous chacune de ces victimes, parce que pour elles, pour chacune d'entre elles, on a été en face d'une démarche courageuse et difficile. Il est important aujourd'hui pour ces parties civiles que ces victimes ne soient plus des gens anonymes, que ce soit à nouveau rapidement évoqué, des hommes, des femmes, des enfants, avec un visage, avec un nom, une famille, une vie, un droit à la vie. Et nous pensons que ces vies, ces victimes doivent être le centre de la pensée de ce tribunal et ne pas la quitter. Car en définitive, la folie des individus, des hommes, individuels ou collectifs, elle serait peut-être sans importance si, comme ça a été le cas, elle n'avait pas conduit des millions d'hommes et de femmes à perdre leur droit à la vie. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je voudrais que vous nous autorisiez à passer rapidement quelques photos des victimes. Non, on y met, on les a là-dessus. Tu me dis quand c'est OK. Vous avez besoin de quelle minute? Combien de minutes? Monsieur le Président, à peu près 7 à 8 minutes. Monsieur le Président, à peu près 7 à 8 minutes. Sept à huit minutes, Monsieur le Président. Dis-lui. Allô.
khang sao tu som pinit bichai kite hai lau nung ot lue samleng ti som som chuey ma ឥឡូវនេះអង្គជំនះអនុញ្ញាតតាមការស្នើសុំប៉ុន្តែអង្គជំនះរក្សាសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចប់ត្រឹមម៉ោងដែលអង្គជំនះបានអនុញ្ញាតអាសិបូ Merci monsieur le président. Tu vas? C'est bon? Mais tu veux j'entends sommes en train. Tout d'abord Monsieur Kyon Sarin, il s'est constitué partie civile pour son, la détention de son oncle, M. Kyon Sarin. Ce dernier travaillait à l'ambassade du Cambodge au Japon. Il est revenu au Cambodge à la suite de l'appel du gouvernement. Il sera interné, détenu et exécuté à Israël. Madame Meas Kett, Mesdames Tulong, Neva et Antonia, elles sont constituées partie civile pour leur fille et pour leur sœur, Tulong Rengsi. Tulong Rengsi était une jeune femme lumineuse, bien connue au Cambodge parce qu'elle était la speakerine de la radio française. Elle a été arrêtée, accusée d'être un agent de la CIA, exécutée à Israël. Madame Meas, une dame âgée, n'a jamais abandonné sa vie. Antonia et Neva n'ont jamais oublié leur sœur. Et ses enfants, Antonia, Nevriska et Visaka, n'ont jamais fait le deuil de leur mère. Monsieur Kimari, c'était le mari de Khmer Tulong. Il est également mort à SRT1. Nevriska et Visaka sont tous les deux restés orphelins de père et de mère. Madame Shan Wang s'est constituée partie civile pour son oncle, M. Sok Bun. M. Sok était maire de sa ville. Il a été arrêté, emprisonné à SRT1 et exécuté. M. Le Chan est venu témoigner des souffrances qu'il avait subies en étant détenu à SRT1. Madame Noël Kim Rong a perdu trois membres de sa famille à S21, ses deux frères qui étaient encore des enfants, Noël Chan et Noël Kun, et sa belle-sœur, Madame Dung Rom. Madame Fit, Monsieur Fit, s'est constitué partie civile pour la disparition de ses amis, M. Poy, M. Yang, M. Chung, qui ont tous été détenus et exécutés à S21. Monsieur Chan Kim Son s'est constitué partie civile pour l'exécution de son père, Monsieur Am Tat, ainsi que de son grand-père, Monsieur Am Sabin. Et à l'occasion de ce dossier, il a retrouvé également le dossier de son grand-oncle, Monsieur Pot Mon, également exécuté à S21. Madame Sek Siek devait se marier avec Monsieur Mok Chang. Le mariage n'aura jamais lieu puisque son fiancé est envoyé et exécuté à S21. Madame So Song s'est constituée partie civile pour l'exécution de son beau-frère, M. Meas Sun, et Yas Tong Son, qui en fait l'élevait. Madame Ul Vong s'est constituée partie civile du fait de l'exécution de son frère, M. Ung Kaum. Madame Chin est venue témoigner devant vous de ses conditions de détention après ça. Elle en garde toujours des séquelles physiques et morales. Madame Suen Pong est constituée partie civile pour l'exécution de son frère. Madame Aïe Téchov est constituée partie civile pour son oncle. Monsieur Sos, elle, qui a été accusée d'intelligence à l'ethnie, Madame Kansan s'est constituée partie civile pour son frère, qui était un soldat, il était au front dans le district de Gokom. Madame Mansutea s'est constituée, Monsieur Mansutea, s'est constituée partie civile pour
l'exécution de sa mère, Madame Sim Loksin. Madame Sim Loksin, c'était l'ancienne secrétaire de l'ambassade du Cambodge aux Philippines. Elle a exprimé publiquement son désaccord sur le régime Khmer Rouge. Sous le régime de Lonnol. D'accord, tu es ma chère. Non, c'est constitué parti civil pour son nom, excusez-moi, monsieur le président, qui est monsieur Ukshim, qui était député sous le régime de Lonnol. Monsieur Vasorkim était enfant lorsque son père a été arrêté. Il voulait le suivre. Il ne l'a pas suivi et il ne l'a plus jamais revu. Madame Lefebvre et madame Ouknari se sont constituées partie civile pour l'exécution de leur mari et de leur père. Monsieur Ouktet était en France et il est rentré au Cambodge sur l'appel du gouvernement par amour de son pays. Il va être immédiatement arrêté et exécuté à Esmaterra. Madame Lefebvre et madame Ouknari n'ont jamais oublié leur mère et leur père et leur souffrance est toujours aussi. Madame Mea Saroun s'est constituée pour partie civile pour son père, M. Ouk, qui était également un militaire et qui était dans le département du district de Rorbeck. Il a été arrêté, emprisonné S21 et exécuté. Enfin, Madame Panpech a découvert que son beau frère, M. Lang Ang, avait été également détenu et exécuté à S21. Voici, monsieur le président, l'évocation de ces 28 parties civiles que nous représentons, dont je tiens toujours à rappeler le courage, car c'était difficile il y a deux ans au Cambodge de se constituer partie civile. Primo Levi, un écrivain européen qui a connu la guerre et la détermination nazie, qui a essayé de comprendre et de faire partager son expérience, a dit dans son livre fondamental qui s'appelle « Si c'est un homme », il a essayé de comprendre ce qui se passait, de faire passer expérience où pouvaient vivre tous ces hommes et toutes ces femmes détenues et qui se savaient destinés à mourir. Il a dit: on imagine un homme privé non seulement des êtres qu'il aime, mais de sa maison, de ses habitudes, de ses vêtements, de tout ce qu'il possède, ce sera un homme vide, réduit à la souffrance aux besoins, dénué de tout discernement, oublieux de toute dignité, car il n'est pas rare quand on a tout perdu de se perdre soi-même. Ce sera un homme dont on pourra décider de la vie ou de la mort, le cœur léger, sans aucune considération d'ordre humain, si ce n'est tout au plus le critère d'utilité. Le sentiment de notre existence dépend pour une bonne part du regard que les autres portent sur nous. Aussi peut-on qualifier de non-humaine l'expérience de qui a vécu des jours où l'homme a été un objet au jeu de l'homme. Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux. Ceux qui sont plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires et fonctionnaires, prêts à croire et à obéir sans discernement. Monsieur Douche, peut-être que nous retrouvons là. Nous retrouvons en vous cet homme ordinaire, cet ancien professeur, marxiste, plutôt dévoué aux autres, ce bon exécutant, cet homme l'appliqué à la tâche, qui pourra perdre toute humanité et oublier toute humanité des hommes, des femmes et des enfants dont il avait la charge à S21. Dans une tentative de compréhension de ses agissements, le psychiatre Boris Cyrulnik a écrit très récemment, en septembre 2009, ces hommes et ces femmes tuent par amour, dans leur bonheur de se soumettre à un chef vénéré. Ils connaissent un moment d'extase qui descend de la routine engourdissante ou de l'humiliation sociale. Pour tuer en souriant, sans la moindre culpabilité, il faut ne pas se mettre à la place de l'autre, ne pas se représenter ses souffrances, contenir son empathie pour ne partager que les valeurs de son groupe. C'est pourquoi on trouve tant de gens bien élevés, d'agréables compagnons parmi ces incroyables assassins.
Ce n'est ni dans la maladie mentale d'un individu, ni dans le trouble familial qu'il faut chercher d'explication à ces meurtres de masse. C'est dans le bonheur de se soumettre à une folie culturelle. Nous risquons tous d'y participer un jour, et c'est peut-être ce qui effraiera le plus. Je citerai enfin une nouvelle fois François Bizot, J'avais apprivoisé l'épouvante. Alors l'épouvante, Monsieur Dutch, qu'est-ce qu'on vous devait vous dire? L'encart vous félicite pour ses aveux, si nécessaires au progrès chacun. Aujourd'hui, Monsieur Dutch, vous aurez écouté les parties civiles. C'est la qui ne vous prêtait pas de voix autrefois. Est-ce que 30 ans après, vous les aurez reprises? Je ne sais pas. Le but, la seule démarche, la plus grande des parties civiles aujourd'hui est celle de témoigner. De témoigner pour que l'humanité entière reprenne leur flambeau et demeurer pour beaucoup d'entre elles le but ultime de ces Cambodgiens, de tous ceux qui ont aujourd'hui le courage d'être partie civile et d'intervenir à ce premier procès. Rescapé du génocide, Pignayette a dit dans l'utopie meurtrière. Il a raconté comment, errant dans la jungle, seul et affamé, il a voulu survivre pour que le monde sache comment un régime monstrueux avait froidement programmé la mort de millions d'hommes, de femmes et d'enfants, et comment le pays avait été plongé dans la préhistoire. La trace que les Khmer Rouges ont laissée dans l'histoire est une trace faite de sang. Et c'est ce sang qui aujourd'hui demande justice. Témoigner pour les parties civiles un but suprême. Au nom de tous ces morts, au nom de tous ces mecs, et ces spectres qui les hantent, et qui peut-être, M. Bouch, vous hantent aussi. Il ne faut pas prendre l'absence de jugement explicite des parties civiles pour un parcours indiscriminé. Primo Levi a écrit encore lui, non, je ne pardonnerai à aucun des coupables et jamais, ni maintenant, ni dans l'avenir. Je leur pardonnerai, à moins qu'il ne s'agisse de quelqu'un qui est prouvé, fait à l'appui, et pas avec des mots ou trop tard, qu'il est aujourd'hui conscient des fautes et des erreurs passées, et qu'il est résolu à les condamner et à les extirper de sa propre conscience et de celle des autres. De ressusciter des morts et de leur rendre la parole. Alors je terminerai ma plaidoirie pour quelques mots de Lévi-Strauss qui a dit « Le respect de l'homme par l'homme ne peut pas trouver son fondement dans certaines dignités particulières que l'humanité s'attribue en propre, car alors une fraction de l'humanité pourra toujours décider qu'elle incarne ses dignités de manière plus éminente que l'autre. » L'homme, commençant par respecter toutes les formes de vie en dehors de la sienne, se mettrait à l'abri du risque de ne pas respecter toutes les formes de vie au sein de l'humanité même. Tel est, à mon avis, l'héritage de ce grand penseur que nous, avocats et juges, nous ne devons jamais perdre de vue, car rien ne peut jamais justifier qu'un homme assoie sa domination sur un autre. Merci. យើងមិនអាចចាត់ទុកថាអំពើដែលមនុស្សម្នាក់គាត់គ្រប់គ្រងទៅលើមនុស្សម្នាក់ទៀតជាការល្អនោះទេនៅក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរជំនាន់ក្រោយម្នាក់នៅក្នុងនាមរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានការសហការជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារអន្តរាគមន៍យ៉ាងមានតម្លៃនេះទើបធ្វើឲ្យមានតុលាការនៅថ្ងៃនេះនៅទីនេះ ដោយសារអន្តរាគមន៍ដ៏សំខាន់នេះទើបធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីទាំងឡាយត្រូវបានស្ដាប់ហើយឲ្យគាត់មានសិទ្ធិដើម្បីនឹងទាមទារសំណងជួសជុលការខូចខាតរបស់ពួកគាត់នៅពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយតែពីបញ្ហាសំណង
đại bộ quạt trâu tổ tuôn. Dông tam sai vật ná ca còn lòng mộc, cực nỉa, sốt tệ ban tổ tuôn squal, đòi bạc đề sai mần bàn, nơi ca chư chập, tiếng phơi cai nằm phơi chật rộ bó chôn rôn cừu. Ca chư chập, đai mần á chư chôn bàn. Chôn chốc chát rút quạt tuôn, có ban tổ tuôn squal ca tình ổn ní đài. Hai cực nỉa, sốt tay tổ tuôn squal tha, ca chư chập tình ổn ní. Việc ban cát lăng, ông phi ông phơ ưu cơ tạc cầm. Đại trợ ban phơ nơi mình tí xo một hơi mùi. Cảm ca cực cực nâng bóng cọp bánh chía, đòi chôn chọc cháu. Hai niên khuyên xông chùm mùa riêp chôn ông sao và ná ca tha, ca chư chập tầng ổn ni. Viên nơi tài miên bằng to nị ron tập hiệp rộng bảo vía. Viên nơi tài miên bằng to, rô hộ mô tôl pê bạch chụp bằng mình. Tụ bây chụp pê về lia xam chụp xin nằm. Cảm ca đua rô lông nây rộng bọng ni. Ban cần lòng phó tờ, tài pê về lia tầng ổn mình ảnh lúc mong bắt cháu, hay vì mình ảnh chia bà, nơi ca chư chập tiếng ổn nị bàn lời. Đang bật đăng rộp bảo vệ nị cọng bấy, xông bảo ca thả, luôn quam trổ, nơi cọp tiếng ổn nạ ổn náng, lâu chấp bạp tiếng lại. Đại trợ ban lực láng, nơi nông xa ràng nào rùm rộp bó mê thiệt vị đang bật đăng rộp bảo vệ nị, tẹ tông chú mùi nâng xâm nón, chốc ngay tị đọc bốn, khai cả nhá, chân năm bi quan bảm bốn, đại miên ai cả bộ quát có con trâu phong đái, chỉ mùi nâng xa rằng nạ bọn thèm, tệ tâu nâng xâm nóng, cho ngay tích đọc bảm bỉ, khai cả nhá, chứ năm bì bọn bảm bốn, đại miên ai cả xa dông lệch y mùi rối hà sập bảm bốn, xa bấy, xa mùi. Hai bộ quát có con trâu phong đái, nơi ca lực lang tiền lại ná, tệ tâu nâng xâm nóng, rộ bọc mê thì vì đang mật đăng rộp bảo vệ ní krom xên tiệt, đại quạt bàn lực lang, nơi khăn ông bê đại quạt xa nị than bình chọc to mọt ní. Nhưng khi chúng ta có sống qua bằng thay một tiết thả. Bởi tế chịt này. Bởi chia chôn này. Cổng phong tại trời ca ca sát lăng vinh. Bộ kê trời ca ca phía bà. Bởi cọp đai bởi sân tập hiệp. Nâng số vật tập hiệp mùi. Xâm rạp chôn rôn cổ. Cá sát xa chịt. Cá sát lăng vinh. Nâng ca phía bà. Bởi cọp đai bởi sân tập hiệp mùi. Mình ai cách đặt chân. Bị át tập hiệp này tội lá ca này. Rùm bình châu tên ca bỏ ca sầm nón sọp cho bạp. Đó đang bật đơn rộp bạc về ní. Đại dịp khuyện kì mùi đô sầm khăn. Nơi khăn ông đầm ná ca cái đây ní. Nhưng khi ông có xông chùm riêng chung phong đái thả. À vậy đại đang bật đơn rộp bạc về ní. Cầm bây trời ca. Cứ giúp tệ thỏa. Bộ quát mình trời ca à vậy bây giờ. Tại bộ quát trời ca giúp tệ thỏa. Đại ca bỏ ca đô sầm nón đô bộ quát. Cứ chìa phó tăng mùi đại bằng hai thả. Giúp tệ thỏa bất xâm nón này mình mang chìa xăm bật tiền. Đại bắt đầu trở đoàn ai bộ quật. Đói xa cả dục dối rưu ca ảnh đất ả sâu nụ lời. Có bần tay viên cư chìa ca phía bàn. Viên cư chìa ca chua chôn. Viên cư chìa ca xong. Viên cư chìa ảo vây đại bộ quật xạ xong nâng tốt tù. Viên chìa sật rộng bó bộ quật. Viên chìa rộng bó bộ quật. Môn nâng nhiên khi nhóm xông đã chôn ông chùm nông chùm rè xa lạ đồng bóng bị chá ràng nà. Vì bó sật tập hiệp này ca ảnh đu bọt xâm nón. Đại trời bỏ các nơi nông xa cọng sự thả bầu được bỏ tụ lá ca ní. Nhưng khi nhóm xông cổ rục ảnh trời, ông chùm nông chùm rẻ tèm mùl. Bị cha đàn á chịu đầm bốn từ lô tùm rông mùi chùm nuồn, nây xâm nòn, đại bộ quạt bán xa nà lãng. Chịu đầm bốn, đang mật đơn rộp bảo vệ ní cọng bây xông bỏ các thả. Khuôn quam trô nơi cọp tèm tùm rông nây xâm nòn, đại miên cầm nọt, nơi nông xa đàn á tèm lái tèm tông nâng nhiên khi nhóm xông cổ rục ảnh chơi ông chùm nông chùm rẻ. Bị cha đàn án nơi tùm rung bằng thai mùi chùm nôn tiết tẹo tông nâng xâm nông. Đang bật nâng rộp bảo vệ ní cổ rộng bây dô khơi thả. Cả bằng cách mua ní thị xe mạ chật nâng ai kỷ mùi. Cư miên xả rạ xong khăn nà xâm rạp bộ quật. Bộ quật trời ca khăn bằng phật. Tại môn nâng nhiên khi nhóm thua cả bằng chạy bằng hai bằng thai. Tẹo tông chùm mùi nâng át tế phiệp nâng đầm na ca nê mùi ní thị ní. Nhiên khi nhóm xông xna xông ông chùm nông chùm rẻ xả lá đồng bông bỏ cả. Tì mùi, rẽ xa ca phía tì còn lái này ủ cực tạc cảm. Tì bì, rẽ xa ca trong trăm này tì còn lái tiền nụ. Đói mù là hai thả, tì còn lái tiền nụ bán trọ dốc chỉ vật mà nụ chìa tì sổ lái được bó bụ quật. Đào mật đơn rộp bảo vệ ní xa xong tổ la ca, bảo cắt chặt vị thiên là ca tiền lái nà. Đào bây ca phía thai rẽ xa tì còn lái nụ. Đào bây bảo cắt ai mà nụ chùm nón, rào tu trang bị hộp lộ, quật bán đơn, hay quật bán scon ở sau nhiệt tạc cảm này bảo tế chít mùi nì. Lớp bình ní tới tiệt, gọt xa nà xong bạch nỉ. Bị bố gọt kết thả viết chế ca rẽ xa nấu phó tăng đó chăm bạch mùi. Đàm bây rùm lực, đòi dự vật chôn khmai chùm nón cao chàng ọ.
ពួកគេបានចងចាំនៅប្រវត្តិសាស្ត្រសោកនាដកម្មនៃប្រទេសជាតិរបស់ពួកគេប្រជាជនរបស់ពួកគេអាចឲ្យពួកគេបានអាចនឹងមានឱកាសក្នុងការទៅចូលនៅទីកន្លែងនោះពួកគេអាចយំពួកគេអាចសម្រក់ទឹកភ្នែកពួកគេអាចស្រែកឡើងពោពេញតាមមនសិការនិងសតិសម្បញ្ញៈសម្រាប់អនាគតនៃប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនរបស់ពួកគេហើយទីបំផុតកន្លែងនោះហើយវានឹងក្លាយទៅជាការលើកទឹកចិត្តដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ពួកគេក្នុងការដែលពួកគេបដិញ្ញាចិត្តថា ពួកគេមានមនៈគឺមានសារៈសំខាន់និងមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិសម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិរបស់ពួកគេពួកគេមិនមែនជាឃាតករហើយពួកគេនឹងមិនត្រូវខ្លាចជាឃាតករសម្រាប់ប្រជាជនឯនោះឡើយហើយពួកគេគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចហាមឃាត់មិនឲ្យកងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឈឺចាប់នេះវាត្រឡប់មកបំផ្លាញប្រទេសជាតិរបស់ពួកគេនិងប្រជាជនរបស់ពួកគេវិញហេតុដូច្នេះ ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវេនីក្រុម3ស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងប្រកាសទី1រក្សាការពារទីតាំងនិងសហភាពអាគារគ្រប់ទាំងបន្ទប់ឃុំឃាំងទាំងអស់នៃមន្ទីរស-21មជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញនិងព្រៃសរទី2ថែរក្សាសម្ភារៈធ្វើទារុណកម្មទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់ហើយតម្កល់សម្ភារៈនោះទុកនៅកន្លែងដែលពួកវាធ្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហម ទី3រក្សាឯកសារទាំងឡាយណាដែលនៅសេសសល់នៅមន្ទីរស-21ទោះបីជាឯកសារទាំងអស់នោះត្រូវបានដាក់តាំងជាសាធារណៈឬមិនត្រូវបានដាក់តាំងជាសាធារណៈទី4អភិរក្សនៅរាល់ឯកសារទាំងឡាយណាដែលវាជាគំនូរជាស្នាដៃរបស់លោកវណ្ណៈអ្នករស់រានមានជីវិតដ៏កម្រនៃមន្ទីរស-21ហើយដាក់តាំងឯកសារនោះនៅអតីតមន្ទីរស-21 បន្ទាប់មកទៀតស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះបង្កប់ឲ្យសង់ផ្ទាំងមួយនៅមន្ទីរព្រៃសរដែលមានរៀបរាប់អំពីលក្ខណៈមនុស្សធម៌នៃការបង្ខំឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់នៃការធ្វើទុកបុកម្នេញនៃការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបន្ថោកជីវិតជនរងគ្រោះទាំងឡាយថាជាក្រុមសមាសភាពជនដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា លើសពីនេះទៅទៀតស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះប្រកាសរក្សារណ្ដៅកប់សពទាំងឡាយណាដែលមាននៅជើងឯកកុំឲ្យរណ្ដៅទាំងអស់នោះរលុបឡើយហើយនៅទីនោះស្នើសុំឲ្យបង្គាប់សង់នៅផ្ទាំងមួយដែលមានរៀបរាប់អំពីរបៀបនៃការប្រហារជីវិតជនរងគ្រោះក្រោមការបង្កប់បញ្ជារបស់ជនជាប់ចោតតាក់ទងជាមួយនឹងការរក្សាការចងចាំដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវេនីក្រុម3ស្នើសុំអង្គជំនុំជម្រះមេត្តាបង្គាប់ ចារឹកលើជញ្ជាំងដែលជារបងក្រវ៉ាត់ជុំវិញស-21នៅឈ្មោះរបស់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលបានស្លាប់នៅទីនោះចាប់ផ្ដើមចេញពីឈ្មោះដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីអ្នកទោសរួមដែលធ្វើឡើងដោយការិយាល័យសហប្រិយអញ្ញានៅក្នុងបណ្ដុំឯកសារដែលមានលេខ E68ស្នើសុំឲ្យសង់ផ្ទាំងនិមិត្តរូបមួយទៀតសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលពួកយើងមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគាត់បាននៅក្បែររបងនោះ ពួកគាត់ស្នើសុំបន្ថែមទៀតសូមឲ្យបង្កប់ឲ្យមានការសង់នៅចន្លោះផ្លូវដើរមួយសម្រាប់ឲ្យក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះទាំងអស់បានដើររំលឹកនៅការចងចាំដែលពួកគេមានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេពីព្រោះទីនោះហើយវាគឺជាកន្លែងចុងក្រោយនៃដំណើរជីវិតមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេស្នើសុំឲ្យមានការសង់ផ្លាករំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធមួយក្នុងនាមជនរងគ្រោះទាំងអស់នៅមន្ទីរព្រៃសរនិងនៅជើងឯក ជាបន្តទៅទៀតនេះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវេនីក្រុម3ស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះបង្គាប់ឲ្យមានការបង្កើតនៅមូលនិធិសមាជិកនិងអាចក្រិតមួយសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់ជនរងគ្រោះហេតុអ្វីនាងខ្ញុំសូមបញ្ញាក់ស្មារតីអង្គសាវនាការទាំងមូលថានៅពេលដែលសំណុំរឿងនេះបានបញ្ចប់ទៅគ្រប់គ្នានឹងទៅបាត់តើអ្នកណាដែលនៅដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវេនីជនរងគ្រោះគាត់ត្រូវនៅគាត់នៅត្រូវបន្តការតស៊ូបន្តជីវិតរបស់ពួកគាត់ត្
Hai pe ni pu qua cầm bông tai prochom mộc chiều muối nắng ban nhà ha sau cặp phe pleasure chỉ khăng hào chi bị xe chiều muối nắng hiệp cây cỏ. Nhưng khi ông thưa ca quạt sông qua bàn than tiệt hà bay nằm làm bay khai mà pay thế ngày nay được bọc mai cỏ hóm ban chi ban chỉ vật pu qua mặt đòn đuôi từ hời. Rồi dạ phê chất xăm sập chân nằm, cao cả đua rồi lồng. Có một bàn bắt đầu nở cả chị ba chị lẹ nà mùi đau phụ quát này. Vì bố chân đai bảo vật bắt lầm mờ. Quát bàn rút nơi khăn ông chi bảo phịp mùi. Đai một toàn trời bàn nẹ nà mà nẹ bắt đoàn tiêu tông. Chị thân nâu nâng ổ cà tạc cam đại quát bàn bảo vật nở lời. Hai đôi chân này hỏi.
ការបង្កើតមូលនិធិស្ម័គ្រចិត្តនឹងឯករាជ្យមួយសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ជនរងគ្រោះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយគាំជ្រោមជ្រែងនិងជួយគាំទ្រការរស់នៅរបស់ពួកគាត់តទៅពេលអនាគតតទៅទៀតពីព្រោះថាការព្យាបាលវាគឺជាដំណើរការមួយហើយវាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីព្យាបាលពួកគាត់ឲ្យបានជាសះស្បើយពីការឈឺចាប់របស់ពួកគាត់ នាងខ្ញុំស្នើសុំថាមូលនិធិនេះគួរត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដ៏ច្បាស់លាស់មួយប្រកបដោយតម្លាភាពប្រសិទ្ធភាពទន់ភ្លន់និងឯករាជ្យនៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមលើកជូនអង្គសាវនាការពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុនៅក្នុងការអនុវត្តសំណងបញ្ហានេះអាចកើតឡើងនៅក្នុងលក្ខណៈដូចជាថាតើអ្នកណាជាអ្នកអនុវត្តសំណង អ្នកណាអនុវត្តសម្រាប់ពួកគាត់តើសំណងនេះគួរត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅពេលណាហើយតើមូលនិធិស្ម័គ្រចិត្តនឹងឯករាជ្យសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់ជនរងគ្រោះនេះតើត្រូវបានបង្កើតពេលណាដល់របៀបណាហើយដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចហើយអាចមានបញ្ហាមួយទៀតចោទសួរឡើងថាតើត្រូវអនុវត្តសំណងដល់របៀបណានៅក្នុងករណីដែលជនជាប់ចោទគាត់បានប្រកាសថាគាត់ជាទូរគុណជនគាត់អត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសង ហើយបើសិនជាក្នុងករណីដែលសំណងប្រកាសនៅក្នុងសារក្រមស្ថានពោហើយត្រូវបានអនុវត្តឬក៏អនុវត្តដោយគ្មានប្រសិទ្ធភាពតើដោះស្រាយយ៉ាងណាតើពួកគាត់មានមធ្យោបាយយ៉ាងណាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះដើមមិនដឹងរដ្ឋអ្វីនេះសូមស្នើសុំថានៅក្នុងសារក្រមស្ថានពោរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងតាក់ទងនឹងសំណងពួកគាត់ស្នើសុំថាអង្គជំនុំជម្រះត្រូវចងអុលបង្ហាញរួចជាស្រេច ថាតើអ្នកណាត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តសំណងនេះដល់ជនរងគ្រោះប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលទៅវិធានមួយ113ចំណុច2 3បានចែងថាសហបរិញ្ញាគាត់អាចសុំជំនួយពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីអនុវត្តទោះនេះខ្ញុំសូមរំលឹកផងដែរថានៅក្នុងអំឡុងពេលនេះយើងមានអង្គភាពជនរងគ្រោះគាត់ជាអ្នកកណ្ដាលរវាងជនរងគ្រោះនិងតុលាការអង្គភាពនេះមានទម្លាប់និងមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងប្រយោជន៍របស់ជនរងគ្រោះ ដូច្នេះគាត់មានគុណសម្បត្តិក្នុងការធ្វើជាអ្នកអនុវត្តសំណងដោយសុំជំនួយពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយទៀតពួកគាត់ស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបញ្ជាក់រួចជាស្រេចនៅក្នុងសាលក្រមស្ថានពោប្រកាសពីសំណងរបស់ខ្លួននៅពេលវេលាកំណត់ណាមួយដើម្បីអនុវត្តសំណងនេះពួកគាត់ស្នើសុំថាប្រសិនបើអាចអនុវត្តកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អយ៉ាងយូរបំផុត 30 ថ្ងៃ ក្រោយពេលដែលសារក្រមនេះចូលជាស្ថានភាពមួយទៀតគាត់ស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងប្រកាសនៅក្នុងសាលក្រមនេះថាមូលនិធិស្ម័គ្រចិត្តនឹងឯករាជ្យមួយសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់នឹងត្រូវបង្កើតឡើងដោយត្រូវកំណត់នៅចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដូចជាបង្កើតគណៈកម្មការទទួលបន្ទុករៀបចំបង្កើតមូលនិធិនេះដែលត្រង់ចំណុចនេះដើមមិនដឹងរដ្ឋអ្វីនេះក្រុម 3ស្នើសុំបេក្ខភាពរបស់អង្គភាពជនរងគ្រោះ ហើយនៅក្នុងករណីដែលតុលាការយល់ឃើញថាវាជាការគួរសូមស្នើសុំតុលាការប្រកាសបន្តនិរន្តរភាពបន្តអត្ថិភាពនៃអង្គភាពនេះដើម្បីបំពេញបេសកកម្មមួយនេះហើយនៅក្នុងសារក្រមស្ថានពោនេះផងដែរស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកំណត់ជាស្រេចនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃលក្ខន្តិកៈរបស់មូលនិធិនេះរួមបញ្ចូលទាំងរបៀបនៃការជ្រើសរើសអភិបាលគ្រប់គ្រងមូលនិធិដែនសមត្ថកិច្ចរបស់មូលនិធិនៅក្នុងការ ช่วยควบคุมดอจจนรงครัวนั่งประพบทวิการในมูลนิธิในขนมการในได้จนจอบจาดกว่าจิตตุรกจนได้ควบคุมตรงนั่งเอาไว้ได้ลงเมื่อทวีกงปิไซกรมปีกดบานเลือกหลังเนียงขยมสนาสมบันทายท่าองจมนุ่มจมเรศาลาดับบุกอายปราเนออำนาจชันตีนุสตรบอกลุ่นในขนมการโรคดมนอสไลตามัดเชียวใบเซนติดตามใบทีเนียท่าสำนองได้ครูนบานประกาศเติบบานอนุวัดดาวมีนประสิทธิภาพให้ตุลาการอายประกาศ អំពីលទ្ធភាពនៃការទទួលយកប្រភពថវិកាពីប្រភពផ្សេងៗទៀតពីច្រើនកន្លែងហើយនៅក្នុងករណីដែរយើងអាចរកឃើញនៅក្រៅមកទៀតថាជនជាប់ចោតគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏កម្មសិទ្ធិណាមួយដែលគាត់លាក់ទុកនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងតុលាការអាចប្រកាសជាស្រេចថាកម្មសិទ្ធិនៃវត្ថុនោះនឹងត្រូវផ្ទេរចូលមូលនិធិនេះជាស្វ័យប្រវត្តិជាចុងក្រោយពួកគាត់ស្នើសុំថានៅក្នុងសារក្រមស្ថានពោតុលាការគួរ ចែងពីបញ្ញត្តិមួយដើម្បីឲ្យគាត់មានផ្លូវតវ៉ានៅក្នុងករណីដែលសំណងប្រកាសជាស្ថានពោហើយមិនត្រូវបានអនុវត្តឬក៏អនុវត្តដោយគ្មានប្រសិទ្ធភាពហើយនៅក្នុងនាមផលប្រយោជន៍របស់ដើមមិនដឹងរាប់អ្វីនេះក្រុម 3 ដដែលនេះ
niên khi nhóm xóm sva cùng nơi cục trang đồng nó sai nà môi để ông chùm nông chùm rẻ ai nâng bị cha ra nà khởi hai dô tha viên miên bởi cháu viên miên lẹ cả nạ bởi sao đạp bây chua chua xùm nông nâng ảnh nụ vọt xùm nông đọc đào mật nâng rộp bảo vệ ní đối chứ nế niên khi nhóm xóm đã chùn nơi xùm nào đội ban rịp rộp khẳng lờ ní nơi khu nông ca bị cha ra nà bởi cọp đài cơ tệ bận đất rộp bỏ ông chùm nông chùm rẻ xa lá đầm bồn hai nơi khu nông niêm đào mật nâng rộp bảo vệ ní cơm bấy nhưng khi nhóm xong cổ rốt thay nhóm con chim môn đặt ông chùm nôm chùm rẻ nơi khu nông ca xâm rạch đo xâm nóng đo bộ quạt nâng xâm rạch ở cả ăn ở vọt xâm nóng ní bảo cọp đai bảo sở tập hiệp hai nơi khu nông niêm mê thì vì đang bật đăng rộp bảo vệ ní cổng bấy nhưng khi nhóm xong thay nhóm con đặt ông chùm nôm chùm rẻ đại an hình nhạt ai phụ dường lang mất phơ xích đây thay nhóm ca xong nị thân bình chọc đang bây đầm nàng ai phò bảo giáo đo đang bật đăng rộp bảo vệ ní đại dương khi nhóm cùng phong tại đầm nàng ai nhưng khi nhóm xong ọc quân mặt ấy lên đi khuyên thà tạm mình đang rót vào bên đi cầm bay bàn là người đi thần than mình chọc cái việc xã đình đáo hai bàn cờ rúc bàn là o nơi cái phía bên lìa đại bàn cầm nọt ấy lên đi đào mong từ sầm rạ ông nhầm đẹp cả sầm rạ một phây nửa tí chạm về bên đi thứ tư là hồ đào mong bảy nâng pram đến tí xong anh chơi châu vinh đâm bay còn to cái chấm là ca đi tệ bị thi sạm là ca xong chơi anh cao chờ